Good morning, Alaïda, messieurs, aujourd'hui, les Lunishmat, Avram, Chaïn, Orbert, Ben Fortune, Mazal, Rachamim, Ben Rosa, et Yedida, Batester, si vous souhaitez, vous aussi, une prochaine étude de Mishta, contre le sac de éternel. Nous étudions Massachet Erechim, Erechim, Mishnavav, Chayave, Arachim, Memashkeninotan, Chayave, Chataot, Vachamot, En Memashkeninotan, Chayave, Olot, Ushlamim, Memashkeninoto, Afalpi, She En Mitkaperlo, Achit Ratse, שנאמר לרצונו, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. וכן אתה אומר בגיטי נשים, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. ונוב נתון נובו, סוג'ט נונות משנה, נותחת דיו דירקטומן, חייבי ערכין, לדט כלונה, ופלוטו לפרסון כיסון, qui doivent payer un RR, qui ont fait un vœu de donner un don au Beth Amikdash. On parle de RR, mais c'est la même chose pour le Neder. Alors, mais Mashkenin Otan, on va leur faire une saisie. Tandis que, Chayave, Chataot, Vachamot, par contre, ceux qui doivent apporter au Beth Amikdash un korban, Chatat ou Hacham, des korbanes expiatoires, sont Chatat ou Hacham, ça dépend comment on les fait, sur quel type d'avérot ça arrive, eh bien, elle même Mashkenin Otan, cette fois-ci, on ne va pas les prendre de force en saisie. Et par contre, Chayave, Olot ou Shlamim, les dettes de, ou les devoirs d'apporter un korban Ola ou un Shlamim, parce qu'on a fait un vœu par exemple, eh bien, Memashkenin Otan, on ira les saisir de force. On s'arrête là tout de suite, on explique un petit peu de quoi on parle, c'est pas compliqué, vous avez sûrement compris le principe. On parle de quelqu'un qui a fait un don, qui a un devoir de donner quelque chose au Beth Amikdash, d'apporter un korban, donner de l'argent, et le monsieur commence à traîner. Est-ce qu'on va se mêler pour le forcer à régler son dû? Ou bien non, on va le laisser aller, puis quitte à ce que ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, et qu'il ne va jamais le faire finalement, ça va s'oublier. Qu'est-ce qu'on fait? Alors sur ça, la Mishnah, elle nous dit, ben sache qu'il y a des fois où tu vas te mêler, et des fois où tu ne vas pas te mêler. Ou plutôt, je dirais autrement. En général, tu vas toujours te mêler, sauf si la cause de sa dette, c'est une chose qu'on ne craint pas qu'il va la laisser traîner. Ou dans ce cas-là, on ne va pas se mêler. Je pense que j'ai plus ou moins englobé la Mishnah, même s'il y a quelques petites exceptions qui vont me poser problème. Je m'explique un peu mieux. On reprend maintenant le cas, tout d'abord, donc c'est important quand on veut comprendre deux choses, quand on veut expliquer deux situations, une que oui et une que non, de d'abord définir c'est laquelle la plus élémentaire et logique, et expliquer l'autre pourquoi finalement elle est différente dans certaines situations. Là, si vous voulez, en hébreu c'est la Brerat Merdal, le choix de base, quoi. Alors, le choix de base, c'est de dire, bon, écoute, t'as une dette, on va se mêler. T'as dit que t'allais donner l'argent au Beth Amikdash. On remarque que t'as pas donné, on t'amène au Beth Din, on va commencer à voir qu'est-ce qui se passe et à partir faire une saisie de tes biens. Ça, c'est le Mouskal Rishon. De prime abord, c'est comme ça qu'on approche la halakhot. Il y a des exceptions à la règle, qui sont en l'occurrence, dans notre Mishnah, on a juste les Chayivé Chataot Vachamot, les korbanes expiatoires. Que là, dans ce cas-là, on va pas se mêler, on va te laisser faire. Dans la logique, eh bien, on n'a pas lieu de se soucier que tu ne vas peut-être pas payer, parce que c'est sûr que tu vas finir par payer. Pourquoi? Parce que ça vient pour une kapara. C'est les mots qui sont rapportés dans le Barthénois. Et ce n'est pas assez de mots. Personnellement, ça ne m'a pas suffi. J'ai cherché dans la page, et personne n'expliquait plus. Donc, je vais vous proposer mon interprétation. L'idée, elle est simple. L'idée, elle est simple. Tout d'abord, lorsqu'un homme fait une avéra, alors il a envie de faire une kapara. Pire que ça, il y a même une gemara dans Shuot, qui raconte que lorsqu'on fait une avéra, tant qu'on apporte pas le korban, chas v'shalom, il y a la chance qui tourne. Ça se passe pas bien. Le Hachem, il nous en veut. Donc, les gens, ils se pressent naturellement pour aller apporter leur korban. S'il apporte pas, on se soucie pas que ça va tomber aux oubliettes. Dans ce cas-là, pourquoi tu vas te mêler? Laisse-le lui s'en sortir, se dépatouiller tout seul. On n'a pas d'intérêt à instaurer une police qui va attraper les gens à chaque coin de rue pourquoi t'as pas payé pas ça, pourquoi t'as pas fait ça, où t'étais ce matin à Tfila et hop. Ouais, d'accord. On garde la police pour les choses qui sont plus urgentes. Importantes, non, parce que toute la Torah est importante. N'importe quel petit détail, c'est important. Même quelqu'un qui a mis cette fenêtre un peu de travers, c'est important. Mais en tout cas, d'accord, il faut bien... faut pondérer les choses. Maintenant, lorsque c'est un chiouv kapara, donc on laisse la personne se prendre en main, on n'a pas de doute que s'il a fait une grave avéra, il apportera lui son korban. Ah, ça fait déjà, on remarque, ça fait déjà 3 mois qu'il n'a toujours pas porté. Laisse couler, t'inquiète pas, ne te mêle pas, t'inquiète pas, c'est sûr qu'il apportera. D'autant plus, comme je dis, que la Gemara dans Shuvot, elle nous dit que
il va être poissard, le monsieur. Ça va mal se passer. Il a Hachem qui lui en veut. Il va pas avoir la Yarat Panim. D'accord? Ça, donc, de ce fait, c'est pour ça que les Chayvei Khatot, ils sont différents. Tandis que les autres choses externes, qui sont une dette, un don que tu as fait, tu as dit que tu allais faire un don au Benamigdash, ou encore Chayvei Olot Ushlamim, un don aussi, c'est aussi des dons, les Olot Ushlamim, alors là, il faudra les apporter. Il y a quelques petites exceptions à la règle que le partenaire nous apporte, c'est un Chiyuv Khatat. Cette fois-ci, ça ne vient pas pour expier une chose, en l'occurrence, c'est le Khatat Nazir. Alors là, en l'occurrence, puisque c'est pas pour expier une faute, on va le pousser à l'apporter. Et il y a aussi une autre exception à la règle de l'autre côté, c'est une Ola, la Ola du Metzora, que pour pouvoir devenir permis à entrer au Beth Amikdash, il est obligé d'apporter sa Ola. Là, dans ce cas-là, puisque le gars, il ne peut pas entrer au Beth Amikdash, donc c'est lui qui se punit tant qu'il n'apporte pas son Corban, dans ce cas-là, laisse-le lui l'apporter tout seul et on ne se mêle plus. D'accord ? C'est les deux exceptions à la règle, en fait. On a donc évoqué un Corban Khatat ou Memashkenin, où on va lui faire une saisie des biens. Memashkenin, c'est bien du mot Mashkon. Mashkon, c'est un gage. Si tu vas prendre ces biens en gage, donc tu vas aller te servir pour le faire payer. Et donc, on a pris un quart de Khatat Nazir, où tu vas, lui faire une saisie. Et on a pris une Ola, on va pas lui faire de saisie. C'est les deux exceptions. C'est les deux Bartanora, c'est le cas qui rapporte. Maintenant, la Mishnah continue. Sache que, même lorsque. Donc regardez, on se retrouve dans une situation un petit peu originale. C'est que par exemple, Reuven, il a fait le don d'apporter un corban Ola. Et il traîne. Donc on va, nous le Bedin, on va aller lui faire une saisie des biens. Mais on a un problème technique. C'est que la Torah, elle nous a dit L'irtsono tisbachu. J'ai plus le pasouk en tête. V'chit tisbachu zevartoda l'Hachem. L'irtsono tisbachu. V'chit tisbachu zevartoda l'Hachem. L'irtsono tisbachu. Lorsque vous apporterez un corban à Hachem, il faudra l'apporter l'irtsono. Avec la volonté. Or, il y a un problème. Si on va venir le prendre, le corban, de force, je ne vais plus pouvoir l'apporter de plein gré. Alors, comment est-ce qu'on fait? Alors là, on est en confrontation, on a un problème technique. Je t'ai demandé d'aller lui faire une saisie des biens, mais d'un autre côté, il doit ensuite le donner de son gré. Alors, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, vous allez voir quelque chose de très joli. Afalpiche en mit kaperlo hachi itratse. Bien que la capara ne va pas fonctionner jusqu'à ce qu'il va être mitratse, jusqu'à ce qu'il va vouloir l'apporter de son plein gré. Chez Neymar l'Irtsono, comme nous dit le verset, l'Irtsono qui voudra l'apporter de son plein gré. Un corban, c'est quelque chose qu'on offre à Hachem parce qu'on fait une offrande. On m'a égorgé jusqu'à ce que j'ai offert le corban. Alors quoi? Quelle est la solution? Eh bien, Kofinoto ad chez Yomar Rotseani. On va l'aider à vouloir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'attacher, on va le frapper, on va le stimuler jusqu'à ce qu'il va vouloir. Et je continue tout de suite la suite de la Mishnah et après on va expliquer les deux cas. La même chose aussi avec un guet d'une femme. Un homme qui veut donner son guet, malheureusement, c'est un grand malheur qui existe dans Israël. C'est les maris qui font danser leur femme pour leur donner leur guet. Alors, au même titre, tu vois dans les guets des femmes que le mari doit divorcer sa femme de son plein gré. Il doit le vouloir, il ne doit pas être forcé. Je ne peux pas lui prendre la main et le forcer à signer. Il faut qu'il, lui, le veuille le faire. Il faut qu'il dise qu'il le veuille. Sinon, c'est un get meroussé chez l'okadin. Le get, il va devenir invalidé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a une autre solution. Kofinoto ad sheyomar otsani. On va le forcer, on va l'attacher, on va lui donner des coups, jusqu'à qu'il va dire ça y est, je veux. Comme ça rapporté dans la Mishnah. C'est quelque chose de très original et de merveilleux qui rapporte. En fait, c'est expliqué dans le Rambam. Vous avez compris la scène? Moi, j'ai besoin de votre volonté. Donc, ça ne suffit pas que je vous prenne de force votre argent pour le donner là où je dois le donner. Il faut que vous donnez de votre plein gré. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous frapper, je vais l'attraper, je vais le pincer, je vais le battre. J'ai le truc jusqu'à qu'à la fin, il va dire ah, ça y est, laisse-moi, je veux. Ah, t'as dit je veux, ça y est, la Torah, elle a dit ça marche. C'est quoi ce délire? C'est nous avons les moyens de vous faire parler. C'est bizarre. Comment c'est possible? Ça s'appelle une volonté de Rambam dans le Yad HaChazaka. C'est pas dans le Rambam, dans le Moré de Vuchim, dans du Moussav. C'est le Rambam dans le Yad HaChazaka. Quand on explique les halachot, le Rambam il explique quelque chose d'extraordinaire. Un juif, au fond de lui, il veut faire le ratson de la Torah. Il veut faire ce que la Torah lui demande de faire. Même un homme qui doit divorcer sa femme, parce que, peu importe, il arrive en situation maintenant où le Bedin il a conclu que la femme elle est en droit de demander le divorce et le mari maintenant lui donne le guet. La Torah lui impose de le donner. Il veut pas le donner le monsieur. Et bien vous savez ce qu'on va faire? On va le frapper. Et on va le frapper jusqu'à ce qu'à la fin il va vouloir. Le Rambam il écrit quand il va vouloir, ça y est, c'est son Yetzer Hara qui veut. Jusqu'à maintenant c'était juste c'était ses mauvaises midot. C'était son Yetzer Hara. C'était son Yetzer Hara qui voulait pas.
Et maintenant, ça y est, on a un petit peu forcé. Et maintenant, ça y est, c'est lui réellement qui veut, parce qu'il veut faire la volonté d'Hachem. Je fais à la vache à l'homme, ça me fait rappeler, j'avais étudié en France, c'est Rabbi Yaakov Teledano. Et Rabbi Yaakov Teledano, de temps en temps, il donnait des claques. J'ai eu le mérite d'en recevoir, au Hachem. Et en tout cas, il disait, des fois, il avait une phrase qui nous disait, ce n'est pas toi que je frappe, c'est ton Yetzerara. Tac, et il envoie une claque. C'est exactement amené dans le Rambam. Il faut des fois frapper pour casser la clipa du Yetzirah qui enveloppe le cœur d'un homme, pour qu'ensuite il va avoir la vraie volonté du juif de faire la route de Hachem qui va percer. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Aslacha Kol Tov. Salam.